Ok, ben on se retrouve avec Rexounette. Pas beaucoup bougé, hein, on est au même endroit que la dernière fois. Et bah écoutez, on va changer de territoire. Parce qu'ici, bah, il se passe pas grand-chose. C'est souvent des gens qui veulent proc tranquille. Donc on va pas rester là, on va pas les embêter. On va essayer de trouver un troupeau, du gibier, quoi que ce soit qui puisse être intéressant, tout simplement. Ou un nouveau territoire, ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, évidemment, pour l'instant, il fait nuit. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre le jour. Parce que tout simplement, ben, la nuit, on n'y voit rien. Hein. La nuit, il fait noir. Donc, on va attendre le jour. Voilà. Alors là, le serveur est plein. On est 105, 148 sur 150. Donc, ça fait pas mal. Donc, ça va être dangereux. J'espère juste que Rexounet ne va pas crever extrêmement vite. Voilà, bon, on se retrouve deux jours, 150. Aïe, 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 aïe. Attends, je vois des empreintes. C'est des petites empreintes. Elles sont récentes, hein. Si elles sont là, je viens juste de sentir un coup. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces empreintes là? On n'y voit vraiment rien, mais bon. Jamais quoi. S'il y a un petit truc à bouffer. Franchement, s'il y a un petit truc à bouffer, je prends. Hein. Alors. Montre-toi, petite chose. Moi, j'ai l'impression que ça a disparu. Il n'y a plus d'empreintes. Il n'y a plus d'empreintes. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire fausse alerte. Fake news et propagande. On va sous les arbres un peu. Non, mais il n'y a rien. Je vois rien. Je vois que dalle. Tant pis. Il y a un truc, il y a un truc. C'est quoi ça? C'est un allosaure, je crois. Aïe aïe aïe. Bon bah il n'y a plus d'allosaure. Et en plus c'est la lumière qui revient juste maintenant. Incroyable. Merci petit allosaure de me nourrir. C'est très plaisant. C'est très plaisant de ta part. Tu ne seras pas oublié. Hein. Aïe aïe aïe, Rexounette. Rexounette qui commence à faire des siennes. Ah bah un allosaure isolé, c'est terrible. Hein. Aïe aïe aïe. C'est terrible. Toujours sentir un peu comme ça, c'est très important de sentir de temps en temps. Pour savoir s'il n'y a pas un truc qui se balade à côté de vous, s'il n'y a pas des empreintes récentes. C'est très important. Voilà, ça m'a permis ça. Tout simplement bouffer un petit allosaure. Hein? Bon, hein, t'es bien brave, mais moi j'avais de la route à faire. Hein. Je me casse. Ciao, bye! Petit allosaure. Ouais, c'est vrai que parfois Rexounette a des pulsions. Hein. Bon, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est qu'il y a de la masse. Hein. Il y a de la masse à nourrir là-dedans. Donc bon. Obligé, hein? Obligé. Bon, le petit matin se lève sur Twin's Lake et Twin's Lake est habité. Est vraiment habité. Il y a beaucoup de monde. Donc c'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux parce que je le rappelle, Azura 5 est un serveur sans règles. Ça veut dire que n'importe qui peut t'attaquer sans raison. Et ça serait assez... ça serait déplorable. Donc on va essayer de faire très attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tout sur ce serveur. Parce que ouais, vraiment ça peut venir n'importe où, n'importe qui, n'importe comment. Pour n'importe quelle raison. Notamment aucune. Ça c'est assez terrible. Il y a un chant là, j'aimerais bien me le faire en vrai. Mais quand il y a des packs de dinos comme ça, en vrai c'est un peu dangereux parce que... Là, les Rex, ils peuvent être potes avec le chant. Et si je vais me faire le chant, bah, les Rex peuvent très bien s'en prendre à moi après, quoi. Parce que là, il y a une grosse famille de Rex de l'autre côté. Du coup, on sait pas trop comment agir. Hein. Bon, le chant qui est au milieu, j'aimerais bien le bouffer, quand même. Mais là, je sais pas trop quoi faire. Hein. En tout cas, le chant, il est pas dans le bien. Il est pas au bon endroit, on va dire.
Je vais bouger, je vais aller à l'autre lac. Voir s'il y a quelque chose. Parce qu'en vrai les Rex, moi ça me fait peur. Hein. J'ai pas envie de me bagarrer contre un T-Rex, hein. Vraiment. Vraiment c'est trop aléatoire. Hein. Il casse la jambe, tu lui casses la jambe. Personne ne sait qui va casser la jambe à qui. Et celui qui se fait casser la jambe, il a perdu. Donc bon. Hein? On va éviter. On va toujours sniffer en marchant. Histoire de se prémunir contre toute attaque. Ça va pas marcher. Vas-y, sniff. Je crois que j'ai entendu un cerato, mais je suis pas sûr. En tout cas, y a rien dans les bushs. Non, ça a l'air plutôt calme. Ouais. Y'a personne? Coucou. En tout cas, y'a du monde qui a faim. Hein. Et j'entends des poules. Donc, qui dit poule dit carnivore affamé. Et ça? Ça, c'est pas bon, ça. On connaît. Connais les embrouilles. Bon, après, c'est pas un cerato qui va faire peur à un Rexounette. Hein. Mais bon, tout de même. Un cerato pourrait me tuer. Hein. Avec le Ass Riding et tout. Y'a personne ici. Hein. Mais calme. Ouais, bon, ouais, le Rex qui gueule là-bas. Ah, ouais. C'est quoi ça? On va lui dire bonjour. On va lui dire bonjour comme il faut. C'était une giga juve. Bon ok, j'abuse un peu, j'avais pas vu. J'ai cru que c'était un cerato, ok, autant pour moi. Autant pour moi, my bad. Bah ça fait un giga en moins, hein. Écoute. Le mec il est sur Azura 5 avec un giga blanc à Twins Lake au milieu d'une plaine. Franchement, il cherche non? Est-ce qu'il chercherait pas un peu la merde? Je crois bien. Hein. Donc bon ouais, ça se fait manger un truc comme ça. Hein. En vrai de vrai. What? Oh, j'ai eu un gros lag là. Est-ce qu'il n'y a pas un gros truc qui vient de se connecter à côté de moi? Oh. Il y a un carnot là? Alors bah fou le carnot. Hein. Je l'ai vu. Hein. Parce que là, il est avec un manque d'attention. Une embuscade peut vite arriver. Il y a plusieurs carnots, il y en a trois. Utah aussi. Bon, les carnots, j'ai pas trop peur d'eux en vrai. Parce que c'est un peu de la merde comme Zino. Par contre. Ils peuvent détourner mon attention avec quelque chose d'autre qui peut arriver. Hein. Quelque chose de plus gros. Barrez-vous, restez pas avec moi. Restez pas à côté de moi, c'est de la provoque. Wesh, le téléphone. T'es en vidéo là, tu te tais. Restez pas à côté de moi. Pas tout dinosaure que je connais pas est considéré comme hostile. Et tu fais quoi toi? C'est chez moi, c'est ma carcasse. Pour l'instant c'est mon territoire ici, ok? Pour l'instant c'est mon territoire, alors vous approchez pas de ma carcasse, ok? Moi je suis RP, hein, pas parce qu'on est sur un serveur où c'est le bordel que je peux RP. Bon il est vrai que l'allosaure je l'ai pas forcément beaucoup mangé. Mais là pour l'instant je fais une petite halte sur mon trajet. Je fais une petite hâte à Twinsley, histoire de me restaurer correctement. Donc les carnots, rendez pas fou. N'essayez même pas de me croquer, hein, je vous le dis. Ça va finir en carnage. Ça va finir en carnage, je dis. Ma carcasse. À moi. Ouais, je suis agressif et alors.
C'est ma carcasse, tu fais quoi le Gali? T'approches pas de chez moi. Pas vrai ça. Et vous connaissez pas Rexounette hein. Elle est très susceptible. Très très susceptible. Là par exemple, la distance c'est de la provocation pour Rexounette. Vous êtes trop proches les Carnots. Bah et vous. Mais le Gali, fais gaffe hein. Ouais, il y a des dilos là-bas. Ah c'est dangereux les dilos. Mais les dilos c'est très très dangereux en Rex. Ils peuvent me foutre dans une PLS. Incroyable. Après c'est dangereux dans un dilo d'attaquer un Rex aussi quand même hein. Voilà, allez attaquer les dilos si vous voulez, si vous avez faim. Allez bouffer le Gali. On n'est pas fou. Faites vos affaires. Et va y avoir bagarre. Bah, il se casse les... Direct. Ah ouais, tu m'étonnes. Ils font des cris gentils mais ils leur courent après. On va essayer de se trouver un territoire un peu plus cosy, un peu plus douillet. Parce que là... Là ça risque de clairement dégénérer. Hein. Clairement dégénéré, puis il y a trop de. Il y a trop de forêts, il y a trop de petits bosquets. Je pense pour un T-Rex c'est quand même pas mal d'avoir une grande plaine dégagée. Pour pas se faire prendre en embuscade. Hein. Parce qu'en vrai le T-Rex, le seul truc qu'il craint, c'est de se faire prendre en embuscade. Soit à part l'embuscade, il craint pas grand chose. Hein. Et il y a personne qui oserait l'attaquer de face. Si le T-Rex t'a vu, tu y vas pas. Le seul, la seule possibilité de tuer un T-Rex, je pense, c'est de l'attaquer dans le dos, un coup de giga en premier, par exemple, pour les gigas. Le giga est mort en premier, et là il a un avantage contre le T-Rex. Mais si le T-Rex a vu le giga, probablement le giga ne va pas venir. Donc voilà, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça. Qu'on se casse d'ici. Parce qu'il y a trop de forêt. On aimerait bien essayer de rester en vie. Ça pourrait être plutôt intéressant. Il y a un bon bout de chemin qui a été fait. Hein. Vous voyez Twins Lake derrière. On va arriver incessamment sous peu à... Comment ça s'appelle ? Titan Lake. Je pense que je vais m'établir ici pendant un petit moment. Titan Lake, c'est pas mal. C'est assez dégagé. Bon, je suis pas encore. Hein. Je suis pas encore. Je pense que j'y arriverai de nuit. Mais je pense que c'est un bon territoire où il y a du passage. C'est obligatoire. Pour passer d'une zone à l'autre de la map, on est obligé de passer par Titan Lake. Donc, je pense que Rexounette va établir son territoire à Titan Lake, pas loin du barrage, histoire de devenir un peu le péage de Azura. Après, tout dépend, hein, tout dépend qui passe. Certaines devront payer de leur vie, d'autres pourront clairement passer gratuitement. Il n'y a pas de problème. Et je pense que je vais m'établir ici, je vais essayer de faire un petit nid à Titan Lake. Essayer de, pourquoi pas, avoir un bébé, ou deux. Avec Rexounette, t'as toujours eu du mal avec les bébés, elle les a abandonnés très vite. Parce que la soif de sang gagnait toujours sur l'amour, hélas. Mais peut-être que cette fois-ci, Rexounette serait un peu plus patiente. Pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout, mais bon. Bref, la nuit tombe. Sur Azura 5 et la nuit ça pue tout simplement, ça pue grave parce que forcément hein, pareil hein, la nuit c'est noir et dans le noir on voit pas grand chose. Bon, j'arrive enfin au barrage, toujours pareil hein, c'est calme, très calme, trop calme, beaucoup trop, il y a vraiment aucun son quoi, et j'avais oublié à quel point ce jeu il fait flipper quand t'es solo dans la nuit avec ton T-Rex que t'apprends pendant 6h30 et que tu sais pas s'il va t'arriver un truc dans la tête ou pas quoi.
Mais bon. Quand même, ça a l'air très calme, donc je suis pas sûr qu'il y ait du monde à voir ici. Je vais traverser. Je vais traverser ce barrage. Et je pense qu'on va continuer le chemin vers Great Falls. Moi, je sais plus si c'est la bonne route, mais bon. Pas grave. Il y a des trucs là-bas. Ah, c'est les Diablos. Ils me suivent depuis tout à l'heure. Je les avais même pas vus, même pas entendus, quoi. C'est incroyable, ça. Il y a des Diablos qui me suivent. J'aimerais bien en bouffer un, quand même. Ce serait plutôt intéressant. Si vous voulez traverser. Oh, yes. Oh, le... Oula, Axounette. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoutez, on va se mettre là. On va peut-être observer, voir s'ils viennent ou pas. Ouais. Ouais, ça serait trop cool qu'ils viennent, quoi. Ça me ferait de la bouffe, hein. Ouais, ils viennent. Par contre, ils sont trop cons s'ils viennent, non? Non, on n'y voit plus rien. On n'y voit plus rien. Ouais, fuis, ouais. Oh, le mec, il a dû avoir tellement peur. Je te tuerai pas, là. Je te tuerai pas, t'inquiète, tu peux un chien. Je te tuerai pas. Je te tuerai pas, j'ai tué ton pote déjà, c'est bon. J'avais faim, gros, j'avais faim, n'aie pas peur, c'est bon. La panique du gars, quoi, il s'est... Oh, ils ont dû avoir tellement peur. Mais en tout cas, merci, parce que j'avais grave la dalle. Hein. J'avais grave la dalle. Bah voilà, finalement, on l'a eu ce Diablo. Lui là. Ouais, c'est pas malin de crier. Hein. Franchement, s'il m'avait pas vu, il a dû avoir trop peur, quoi. Tellement pas y mettre à sa place. Je suis désolé, frérot. J'avais faim. Oh, désolé. Hein. Mais bon, gros. Tu m'as vu quand même. Alors tu m'as pas vu, et c'est dommage pour toi. Ah, ça me fait tellement de la peine, il est trop triste de voir d'avoir vu son pote mourir. Mais bon, d'un autre côté, faire gaffe, hein. Après, c'est quand même du coup un bon lieu pour les embuscades ici, hein. Franchement, ouais. Là, ce côté, putain, on me voit pas arriver, quoi. Paf! Je l'ai croqué, je l'ai déchiré lui. What? Il me veut quoi le Spino là? Il se passe quoi là? Non! Ah, j'ai bientôt le Blue Stam, ça va être terrible. Bah, il va falloir se battre. Hein. Mais je l'ai pas cassé la jambe à lui là? J'aurais cassé la jambe à tous les deux. Faut que je me casse, du coup. Là, faut que je me casse. Tout simplement. Aïe 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 aïe. Ah, le coup de pression, quoi. C'est bon, barrez-vous en fait, non? Ah ouais, mais je pense que je suis mort là. Elle met trop longtemps à régénérer son bleed de Rexounette. Elle met trop longtemps.
Aïe 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 aïe. Bon, j'ai encore de la marge, j'ai encore de la marge. Mais ouais, ça va être chaud patate là. Hein. Ils me suivent en plus. Hein. Ah, ils me suivent. Je sais pas si j'ai eu le bon réflexe de claquer tout mon. Toute ma stam. Mais bon, ah là, je suis dans la merde. Mais c'est incroyable comme je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Rexounette. Rexounette, non! Holy shit! Comment je fais pour survivre? Je peux plus! Et puis c'est des malades, ils me traquent! Aïe 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 aïe